Nous, franchement, c'est la vérité, on profite un peu de la situation, on est là, on casse tout, on prend tout, même si. Carrément. Ouais, des fois, on voit des petites vieilles et tout, et tu sais, bah. Bon, c'est bon, attends, vas-y, deux secondes, ouais. Salut l'équipe, c'est Mika Lash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que ma mixtape sortira le samedi 8 décembre. Donc elle sera disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et pour l'occasion, le même jour, à 18h, je sortirai un clip sur ma chaîne Mika Lash Music. Donc franchement, très honnêtement et très sincèrement, merci à tous ceux qui soutiendront ce projet. Voilà, je vais essayer de continuer d'évoluer et de progresser du mieux que je peux. Et je remercie tous ceux qui soutiendront, car c'est en partie grâce à vous si je peux concrétiser ce genre de projet. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram Mika Lash YTV, je vous l'affiche juste là si vous voulez. Un peu plus d'infos et des exclus. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui soutiendront l'équipe. Salut l'équipe, c'est Mika Lash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'ai piégé et rendu fou une personne utilisant le prétexte des gilets jaunes, tout simplement casser et commettre des délits. Vous allez voir, je lui ai fait un petit peu péter les plombs, de toute façon la vidéo parle d'elle-même. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Salut gros, ça va? Ouais, ça va. Tranquille. Ça va? Ouais, ça va. T'es venu pour le gilet jaune et tout là? Non, t'es un... T'es un gilet jaune, frère? Ouais. Ouais? Ouais, ouais. T'es un vrai gilet jaune, genre? Comment ça, veut? Ouais. T'es un officiel, genre? Non, y'a pas un officiel. Y'a un officiel. On peut prendre une photo ensemble, frère? Pourquoi tu veux prendre une photo ensemble? Je sais pas, frère. T'es un gilet jaune, genre... C'est... Moi, je t'ai vu à la télé, enfin, je vous ai vu à la télé et tout. Ah, je te vois en vrai, frère, genre t'es... T'es une star, un peu, non? Non, t'es une rockstar un peu, frère. Tout le monde a un peu gilet jaune dans l'âme, quoi. Dans l'âme? Ouais. Je sais pas, frère, moi j'ai vendu mon âme, tu vois, j'ai plus d'âme, frère, donc je sais pas, ne me parle pas, j'ai plus d'âme, frère. Comment ça? Je sais pas, frère, on n'a pas tous eu, je l'ai vendu, moi, mon âme. Pourquoi tu me parles d'âme, frère? Ouais. Non, vas-y, on peut prendre une photo ensemble, frère. Tu veux vraiment prendre une photo? Vas-y, frère, une petite photo, c'est bon, tranquille, t'as non, vu, non, genre, non, bon, comme non, ça, non, entre. Non, vas-y, non, non, on est sur tête, là. Pourquoi, non, frère? Non, je vais pas prendre une photo. Mais pourquoi? Non, non, je vas-y, frère, comme ça, on se met. Pourquoi? Non, non, non. Attends, reste ah, là. Non, vas-y, c'est bon, viens, on se pose. Même pas, t'es là, je suis bien comme ça, tu me dis photo. Non, non, c'est bon, frère. Désolé, tranquille. En plus, là, j'attends des collègues, là, dans une heure. Mais du coup, tu fais quoi ici tout seul, là? Là, j'attends des collègues, là, on arrive, on va un peu voir ce qu'on peut faire. Là, t'attends des collègues, là? Ouais, mais ils sont où tes collègues? Ah, y'a d'autres gilets jaunes qui vont arriver? Ouais, ouais, on va se retrouver à une dizaine. Ah, moi, je suis trop fan, gros. J'ai regardé toutes vos vidéos, je les ai regardées, gros, sur YouTube. Moi, je suis un fan, gros. Je suis fan de vous, gros, et tu me refuses la photo. Bah non, il faut pas qu'on prenne des photos, moi je pas. Tu veux pas de photos, mais pourquoi non, tu veux pas de photos, frère ça, là, tu fais quoi tout seul ici, tes collègues? Je dis, j'attends des collègues. Ils arrivent quand, tes collègues? Je sais pas, à peu près dans une heure, quoi. Dans une heure? Non, comme ça, tranquille, tu vois. Mais en fait, c'est quoi le but de votre giletterie, genre? C'est quoi le délire, genre? Pourquoi vous faites ça, en fait? C'est quoi le... J'ai pas trop compris, tu vois, j'ai pas trop suivi l'actualité. Comme je t'ai dit, j'ai vendu mon âme et tout, du coup, je comprends pas tout, des fois, tu vois. J'ai vendu mon âme pour essayer de percer la musique, tu vois. Et c'est en train de commencer tranquille, mais Satan, il m'a dit, ouais, il faut attendre peut-être 6 mois, 7 mois, tu vois, c'est l'âme, genre, ça se fait pas comme ça, frère. Enfin, bref, vas-y. Non, vas-y, explique-moi, genre. Non, franchement, parce que nous, t'as vu, on est pas contents, voilà. Mais pourquoi vous êtes pas contents de quoi? Parce que Sarkozy et tout, je sais pas, il est en train de faire de la merde et tout, ben nous, on est pas contents. Sarkozy? Ouais, on manifeste tous les jours. Comment ça, Sarkozy? Il est plus président, Sarkozy? Mais ça fait un bail. T'inquiète, il sera toujours là. Comment ça, il sera toujours là, frère? Il sera toujours là, c'est tout, il est là pour casser les couilles. Bah nous, on va lui niquer ses routes. Ses routes? Ouais. Mais c'est quoi le but de vous manifester pour quelle cause, en fait? Enfin, toi, tu manifestes pour quelle cause? Genre, c'est quoi? Moi, y'a pas France. Je te dis la vérité, y'a pas franchement de cause ou je sais pas quoi, là. Gilets jaunes, pas gilets jaunes. Nous, on est pas contents, c'est tout. Mais pas contents pourquoi? C'est quoi les raisons, genre? Explique-moi, frère. Là, j'essaie de comprendre, tu vois. Voilà, t'es en train de me poser des questions, là. Non, franchement, moi je suis là, on se regroupe. Parce que moi je t'explique, j'avais une bonne idée, frère, tu vois. Moi je voulais faire un truc, dis-moi. J'ai vu les gilets jaunes, etc. Ah, tu vois. Bon, mon idée c'était quoi? C'était profiter de la situation, tu vois. J'avais des idées en tête, genre mettre les gilets jaunes. Tu vois. Toi aussi tu veux faire ça? Non, parce que moi en vrai je t'ai dit la vérité, t'as vu. Nous on est là, on s'en fout un peu de la cause. Moi je m'en fous de la cause, j'arrive comme ça, je casse tout. Ah ouais, toi aussi, gros. Ouais, je vais dans les magasins, on pille tout, tu vois. C'est pour ça qu'on est 10, on se regroupe ici, tu sais, pour ah, vous préparez un peu le truc. J'ai trop envie de t'en dire, mais ouais, en gros, t'as compris les bails, t'inquiète. En gros, moi, ce que je t'explique, gros, moi, ce que je voulais faire, tu vois, c'était mettre un gilet jaune, tu vois. Ouais. Et je cherchais une guilde, genre une guilde de gilets. Quoi? Non, laisse tomber, genre. Quelle guilde? Non, je voulais intégrer la guilde, genre. En fait, c'est quoi une guilde? Je voulais monter une guilde, tu vois. C'est quoi une guilde? C'est pas grave, on s'en fout, frère. Mais moi, je t'explique en gros ce que je voulais faire. C'était monter une guilde
on l'aurait appelé genre les Yellow Gillettes, tu vois. Ah, un groupe. Ouais, un genre de groupe, tu vois. Voilà, mais en fait, si tu regardes, je t'explique. Attends, je t'explique mon idée, gros. Et en gros, moi, ce que je voulais faire, c'était mettre les gilets jaunes, tu vois. Et genre, je sais pas, gros, je voulais aller casser des trucs, tu vois. Casser des voitures, casser des gens, casser des grands-mères, tu vois. Et en gros, mon idée, tu vois, c'était aussi genre, je sais pas, genre, on pouvait en sortir dans la ville, tu vois. On casse tout, on raquette des gens, on pille les magasins. Ouais. Si la vérité, t'as vu, nous, on a un petit groupe. On est une dizaine, tu vois. Ouais. Attends, je m'en sors vite fait. Vas-y. On a un petit groupe, tranquille. Nous, franchement, je te dis la vérité, on profite un peu de la situation. On est là, on casse tout, on prend tout, même si. Carrément. Des fois, on voit des petites vieilles, tu vois, qui nous disent ça, bah. Des petites vieilles. Des vieux coups de ah, vous cassez la croûte, quoi. Ah, on vous dit. Oh, c'est un apéro. Ah, t'es un bon, frère. Toi, t'as une bonne mentalité, frère. Toi, t'iras loin dans la vie, frère. La tête de ma mère, toi, tu seras un futur président, toi, ça se voit, gros. C'est comme on peut, à cause de Sarkozy et tout, là, en fait. Ah, ouais. Sarkozy, mais il est plus président, Sarkozy. Ah, ouais. Ah, ça fait longtemps, gros. Comment ça, il est plus président? Je sais pas, gros, mais toi, en fait, en gros, tu t'en fous de la cause. Eh ouais, moi, toi, t'es là pour casser. Je suis même pas là pour voter, je suis même pas la politique. Moi, je regarde que la météo à la télé. Ah ouais? On arrive comme ça, on prend la maille. Et toi, là, vous êtes sur un coup ce soir, je pourrais pas. Je te dis, regarde ce soir. Là, on comptait casser un petit magasin. Après, je t'en parlerai. Justement, ouais. Tu veux quoi? T'as un gilet jaune là sur toi? Non, j'ai pas de gilet, justement. Je cherchais un gilet, tu vois. Tu veux un gilet? Moi, je serais chaud pour venir avec vous. Vas-y, après voilà, je sais, on se connaît pas, tu vois, tu me connais pas, je te connais pas, mais on a pas besoin de se connaître, tu vois. Payer pour rentrer. Payer? Ouais, tu lâches un petit billet. Vas-y, après à la voiture, je t'amènerai les sous. Ouais, mais là t'es chaud et tout, là, ce soir on nique tout. Hein. Ouais, vas-y. Comme ça, au début, on se met dans un groupe, genre manifestant, je sais pas quoi, la Marseillaise, je la connais même pas, je m'en fous. Ah ouais? Et toi, pourquoi tu fais ça? T'as besoin d'argent ou quoi? Même pas, bro. Ah, c'est le délire un peu, genre. Anarchiste, genre, tout cassé, genre. Tout cassé, ah ouais, ouais. Encore plus de sous, c'est tout. Ouais. Du coup, t'as un gilet jaune là sur toi ou quoi? Je vais chercher le gilet. Ouais. Et après, je t'explique. Vas-y, c'est bon. On fait ça. Je m'attends là. Attends-moi là. Tu vas venir avec toi? Non, vas-y, c'est bon, je le cherche en deux et je reviens. Mais il est où? Il est loin? Ah, il est un peu plus loin, t'inquiète. J'ai juste 5 minutes, 10 minutes, t'inquiète. Vas-y, c'est bon, vas-y, je t'attends là alors, vas-y. Oh, gros. Essaye-le. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que tu foutais, gros? Ça fait 15 minutes que je t'attends là. Je t'ai dit, là, j'avais un coup de fil et tout. En gros, j'allais partir, gros. Bah, tu vas pas partir, gros, on va tout casser. Mais non, c'est bon, je vais pas partir, mais je te jure, la vie de ma mère, j'allais partir, gros. Essaye-le. Ouais, je vais l'essayer, mais gros, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais attendre 15 minutes. J'étais au tel et tout là, j'étais avec le président. Tu m'as dit, ouais, j'arrive, je sais pas quoi. Genre, avec le président, mais. Le gilet du coup? Ouais, essaye-le. Genre, il est bien jaune, ouais, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu foutais, gros? J'ai failli me casser. Mais non, tu vas pas te casser. Je t'explique. Je me suis dit, ouais, c'est un fils de pute, là. Quoi, moi, un fils de pute? Non, pas comme ça, mais. Genre. Comment ça, ouais, pas comme non, ça? Non, 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 genre, tu fais. Que je t'attends, tu vois. Comme ça? Non, non, je suis désolé, je me suis mal exprimé, tu vois, des fois, je m'exprime mal. Fais toi, hein. Non, comme tu dis, j'ai vendu mon âme pour la musique et tout. Du coup, des fois, je m'exprime mal. D'âme ou je sais pas quoi. C'est bon, pas désolé, frère, désolé. Regarde, du coup, c'est le gilet, là. Mais il marche pas dessus. Désolé, frère. Attends, je vais nettoyer, C'est bon, je nettoie. Quoi, là, t'es en train de me faire une blague? C'est quoi le. Ah, c'est bon! Je dis, je suis chaud pour rentrer dans le coup, gros. C'est bon. Mais là, ça t'étend. Là, essaye-le. Vas-y, je vais le mettre. Je vais t'en parler, là. Là, regarde, là, dans une heure, il y a des collègues qui arrivent. Ouais. On va chercher des barres de fer et tout, là. On va tout casser. Il a l'envers, là. Tu vois pas qu'il a l'envers? Comment ça, il a l'envers? Tu vois pas l'étiquette, là? C'est bon, on s'en fout, gros. Ça change un peu, tu vois. Les bandes. Mais on s'en fout des bandes, gros. Il est jaune, là. Là, il est. Il est jaune et gris. Moi, je veux un gilet jaune, je t'ai dit, frère. J'ai vu gilet jaune, c'est tout jaune. Moi, je le mets comme ça, mon gilet. C'est bon comme ça? C'est comme tu veux. Putain, il est un. Ah, je te préviens. Ouais. Parce que là, tu m'as l'air de faire un peu le gamin et tout, là. Ne fais pas ça devant les autres. Non, c'est bon, frère, désolé. Ils t'attrapent. Ah ouais? Ils te brisent en deux. Mais ça, eux, c'est des mecs chauds, ils sont vénères. C'est bon, gros, je rigole, c'est bon, tranquille. Je vais me calmer, ouais. Paf. C'est bon, tranquille, je suis genre. Moi, je suis gentil, tu vois, là, je suis gentil avec toi. Tu m'as lâché quelques insultes, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, je t'en veux pas. T'as vendu ton âme, je sais pas quoi. C'est quoi, gros, pour m'excuser, j'ai un petit plan là en tête là, en bas là, ouais, en bas, là un peu plus bas, non, un peu dans le là où il y a un peu la forêt, tu vois, au début de la forêt, ouais. Un peu au fond du parking, tu vois. Il y a un mec, genre, il y a un mec solo, tu vois, et il m'a l'air d'être un peu fragile, tu vois, ça m'a l'air d'être un fragile. Je lui ai demandé des cigarettes, tu vois. Ouais, un peu efféminé, tu vois. Quoi, vas-y, tu veux commencer maintenant? Mais du coup, moi je te propose un truc, tu vois. Si on raquette. Si t'es chaud, gros, on descend, on raquette, tu vois. Il y avait un sac ou pas? Il y a là-bas, il y a pas de caméra. Il y a personne. Je sais pas, j'ai pas trop vu, mais à mon avis, il avait l'air d'être un peu friqué, tu vois. Ça m'a l'air d'être. Tu sais, un peu un gosse de riche, genre. On lui baisse sa mère ou quoi? Viens, on y va. Ouais. On le dépouille. On le dépouille. Entre, moi je te dis, t'as vu, là, t'as vu, t'es bien grand et tout. T'es arrivé en premier. Je lui parle, bon, c'est toi qui parles. Hein. Ouais. Parce que moi je suis. Non, c'est toi qui parles, de toute façon. Ouais. T'arrives comme ça, tu commences à. Tu l'agresses un peu comme ça. Ouais. Moi j'arrive de l'autre côté, tu sais, je lui dis, ouais, si tu veux pas que lui te démonte et tout. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, on l'attrape en bas. Il est, normalement, il est encore. On va voir au pire s'il est pas là, c'est pas grave, tu vois. Ouais, normalement, il est encore tout en bas. Casser, on va tout casser. Il m'avait l'air d'être bien habillé et tout, un peu. C'est fragile, tu vois. Ouais. On l'attrape, on dépouille, on fait moitié-moitié, c'est bon. Vas-y, mais si tu veux, regarde, si tu veux, tu me donnes tout et tu payes rien pour rentrer dans le groupe. Ouais, on peut faire comme ça aussi. Comme ça, tu me donnes tout ce qu'il a sur lui. Ouais. Ok, je prends tout. Si au moins, t'as prouvé que tu rentres dans le groupe. Ouais, vas-y, c'est bon, on peut faire comme ça aussi. Le président, je lui dis, ouais, lui vas-y, ça marche, ça marche. C'est un mec vénère, lui. Vas-y, vas-y, ouais. Je suis chaud, ouais, vas-y. Ce soir, il va. T'as vu, on va au magasin et tout, là, on va. Ouais, vas-y, vas-y, gros, je suis chaud, je suis chaud. On va prendre les baskets, mais. Ah, gros, tu me fais plaisir, là. Ah, gros, désolé. Désolé, je voulais te porter, mais t'étais un peu lourd, frère. Je suis désolé, frère. Tu fais quoi? Je fais désolé, gros. Comme ça, là, non, c'est bon, je suis désolé, frère. Oh, tu m'as pris pour un. Non, gros, je vais te porter. Je fais plus jamais ça, t'as compris? C'est bon, je suis désolé. Je fais plus jamais ça. Je genre m'excuse, gros. Vas-y, viens, on y va. Genre, je m'excuse. Oh, par contre, là, tu vois, t'as. C'est bon, je suis désolé, gros. Je m'excuse. Ça va, on est collègues maintenant, on est collègues, frère. On est collègues maintenant, ça va, frère. Ouais, mais fais attention. C'est bon, c'est bon. Ah, bah, par contre, moi, là, tu me fais des actions, là, je te sens pas trop. Donc, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Tu vas voir le gars, ouais. Tu le raquettes et moi je te regarde au loin. C'est bon, vas-y, gros. Vas-y. Non, tu viens avec. Juste, tu viens à côté de moi, tu vois. Là, tu veux te faire pardonner, là? Ouais. Tu le raquettes, moi je suis juste à côté, par exemple, tu parles, etc. Moi je suis juste là et je prends la maille. Vas-y, c'est bon. Je prends le sac et tout. Vas-y, tu viens. Viens. Il est là-bas. En gros, je vais te montrer, gros, tu vas voir. Il est là. En fait, il est dans le coin, tu vois. Il y a pas de caméra. Il y a rien du tout. À mon avis, il va pas broncher, tu vois. Moi, je te dis, moi, je veux pas de problème. Donc, fais pas chauffer. Là, t'arrives, tu prends tout et tout et tranquille. Attends, je mets juste mes écouteurs, frère, 2 secondes. Regarde, gros, c'est lui, juste là-bas. Avec le bonnet blanc, tu vois. Tu veux que je prenne le bonnet? Attends, je mets un peu de. C'est le mec qui fait nerf. Je mets un peu de jams. Je mets du jams. Attends, je mets. Vas-y, je mets du. Quoi? Je mets du jams dans la fond. Vas-y, ça va, frère? Tranquille, bien. Ça va? Ça va. Qui fait ici, gros? Ouais, on est là. Hein. Ah, putain, il est sympa ton bonnet. Merci. Ah, mon collègue disait, ouais, putain, il est sympa son bonnet. J'ai cherché partout et tout, j'arrivais pas à l'avoir. Ah ouais? Je sais pas, je l'ai eu sur internet. Ah gros, ça va tranquille? Ouais, ça va tranquille. T'as vu nos. Un peu pour respirer, tu vois. Ouais, t'as raison, nous on est des gilets jaunes en fait, tu vois. Ouais, je vois ça. Et en ce moment, on est en train de faire des manifestations et tout. Ouais, je vois ça sur internet, ouais. Ouais, je sais pas si toi t'as entendu parler de la cause. Ouais, comme quoi, vrai. On nous prend. Non, c'est pas très drôle, frère. On nous prend pour des cons, frère. On nous prend pour des cons, frère. C'est plus possible en France. Sarkozy, il a trop fait. Il fait n'importe quoi en ce moment. Sarkozy, ouais. C'est pas Jacques Chirac? Non, frère, non. Mais. Je sais pas, gros. Après, c'est pas grave, tu vois. On manifeste juste parce qu'on n'est pas content. Le principal, c'est d'être pas content, tu vois. J'avoue, Ségolène Royal, elle fait n'importe quoi. Après, moi, si tu veux, je te propose, tu vois, si t'es chaud, gros, on se connaît pas, tu vois. Mais tout le monde peut être dans la cause, tu vois. Ah ouais. Le collègue, il a des gilets jaunes dans sa voiture. J'ai justement parlé de ça. Si tu veux, on te donne un gilet jaune, tu viens manifester avec nous, tu vois. Pour la cause. Attends, le collègue veut me parler, là. Ça, tu crois que c'est ton pote ou quoi? Bah non, mais frère, je prends confiance, ça prend le racket. On n'a pas le temps à perdre là. Ce soir, après, on casse tout. Vas-y. Si c'est bon. Prends son bonnet. Je prends son bonnet. Tu lui demandes l'heure, tu prends son bonnet. Et son père. Vas-y, c'est bon, frère. Vas-y. Ça va, frère? Ça va. Ouais, frère. Non, il n'y a pas de frère en fait. Maintenant, donne-moi ton téléphone, frère. Donne-moi toutes tes affaires, donne-moi ton téléphone. Maintenant, tu me donnes ton téléphone, tu me donnes ton bonnet, tu me donnes tes chaussures, tu me donnes même ton caleçon, frère. Tu vas finir à poil là. Descends là, viens. Viens là, donne-moi toutes tes affaires maintenant. Donne-moi toutes tes affaires, je te dis. Vas-y, donne-moi toutes tes affaires. Il va me donner toutes tes affaires. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Très bon, frère, vas-y, je l'impressionne un peu. Je donne une pression. C'est quoi le délire là? Comment ça, c'est quoi le délire? Vas-y, envoie ton téléphone de suite maintenant. Mais y'a pas de raquette, juste t'as pas l'heure, s'il te plaît. Monte ton tel, t'as pas l'heure, s'il te plaît. Passe le téléphone, vas-y, donne-moi. Y'a pas de téléphone, Donne-moi le bonnet là. Donne ton bonnet. Y'a quoi, c'est quoi le problème? Sinon, il veut te manger, gros. Ah, je vais te manger, gros. Tu veux manger, toi? Toi, tu veux manger? C'est bon, calme. T'es sûr que tu veux manger? Non, c'est bon, calme-toi, frère. Calme-toi, frère. Ah, c'est quoi le délire là? Quoi? C'est quoi le délire? Toi, tu veux manger, toi? Non, c'est bon, frère. T'as découvert, t'as une assiette? Tu veux manger? Non, c'est bon. Moi, je vais te manger. Moi aussi, je te mange. Vous deux, je vous mange. C'est bon, frère, c'est bon, laisse-le. C'est bon, désolé, frère, je suis désolé, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Tu veux quoi, toi? Non, c'est bon, frère. Ah, t'énerve pas, frère. C'est bon, vas-y. Passe-lui ton téléphone. Passe-lui ton téléphone, frère. Tu veux mon tel? Vas-y, vous êtes bizarre, je me casse. Vous êtes bizarre. Je suis désolé, frère. Je suis désolé, gros. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu t'es frousse, gros. J'ai appelé la police, gros. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me sens pas bien, gros. Comment ça, tu te sens pas bien? J'ai appelé la police, frère. Comment ça, tu te sens pas bien? J'ai appelé les Condés, frère. Oh, gros, t'es ouf ou quoi là? Il va partir, on se casse. Oh, t'es sérieux, gros là? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Gros, tu sais, tu prends son tel, tu fais quoi là? C'est bon, frère. Vas-y, barre-toi. J'ai appelé les flics. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon, bouge pas. T'es ouf ou quoi? C'est bon, je vais te le rendre, frère. C'est bon. Ouais, vas-y, on le renvoie. Vas-y, c'est bon. Attends, vas-y, deux secondes.